La commune de Tevéclin a été la première étape de cette deuxième journée de la tournée statutaire 2019 du préfet du Koufo dans les communes de son ressort territorial. De l'énergie électrique à l'éducation, en passant par la couverture en eau potable, les populations de Tevéclin veillaient à ce que leur maire fasse le point exhaustif de leur doléance au préfet. Dans le secteur de l'énergie électrique, l'arrondissement de Missenko n'est pas encore électrifié. Il en est de même pour les dizaines de localités de la commune qui demeurent dans l'obscurité totale. En matière d'approvisionnement en eau potable des populations, le besoin en eau de certaines communautés de Tevéclin reste insatisfait. La construction des salles de classe pour les CG. Dans le domaine de la santé, le plateau technique est très limité. Même exercice à Dogbo où l'insécurité donne de l'insomnie aux populations, tandis que les inondations les chassent de leur habitation, à en croire le maire de Dogbo, Vincent Kodjo Akakbo. L'insécurité qui sévit dans la commune avec des victimes que nous enregistrons chaque jour que Dieu fait. La vétusté des installations du service radio-transmission qui bloque la transmission et la réception des messages. Quand le fleuve Mono est sorti de son lit, ça a occasionné la destruction de 398,15 hectares de culture de coton. Le gouvernement ne marchandera pas sa disponibilité à trouver les solutions aux problèmes qui se posent. Cependant, le préfet du Koufo exhorte les élus locaux à anticiper sur ces problèmes par une meilleure collaboration avec les services déconcentrés de l'État. Il n'y a pas un maire qui soit ou un CA qui soit spécialiste de l'eau ou à l'énergie. Donc le gouvernement, sachant très bien que les élus ont besoin d'appui conseil, envoyer les aides concentrées de l'État. C'est pour cela que les chargés de mission, le secrétaire général, les directeurs départementaux sont souvent sur le terrain pour l'appui conseil afin que nous n'ayons pas à trop souffrir pendant l'approbation des documents. À Tevéclin et à Dogbo, comme les autres communes déjà parcourues, les populations ont eu droit aux remarques faites par la préfecture du Koufo dans la gestion des communes de ce département.